Il s'appelait Geralt de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint un pas à son tour. Thank you.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Geralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, le jeu est terminé. C'était le playthrough le plus rapide du monde. Non, je plaisante. Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorogorcillon qui vous parle en direct de son nouveau playthrough. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur The Witcher, premier du nom. Alors, comme vous le savez, mes autres playthroughs étant terminés, eh bien, je dois me lancer dans de nouveaux. Et j'ai eu pas mal d'hésitations sur le jeu sur lequel me lancer. Et j'avais dans ma liste The Witcher 2. Mais pour des problèmes de configuration de mon PC qui est un petit peu limite, et donc je ne pense pas que ça passera en prenant la capture vidéo, eh bien j'ai dû le mettre de côté. Et il m'a fallu une semaine pour trouver une solution très simple, qui est bien sûr de prendre The Witcher 1 en commençant, avant d'avoir mon nouveau PC et pouvoir me lancer sur The Witcher 2, en tout cas si j'accroche sur The Witcher 1, et ça me coûtera aussi beaucoup moins cher par la même occasion. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis belge, je suis PCiste, comme vous pouvez le remarquer. J'ai déjà 3 autres playthroughs qui ont été faits précédemment, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Ah oui, si, je suis aussi écrivain sur le côté. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt préparer la vidéo sur mon livre. Donc vous pourrez l'attendre également. Alors j'ai déjà commencé très fort ce jeu, puisque comme vous avez pu le remarquer, et oui, je me suis tué pendant une cinématique, et pourtant Dieu qu'elle était longue. Donc déjà j'ai fait un exploit en commençant. Alors normalement j'ai fait les réglages, donc c'est aussi pour ça que je me suis tué, j'avais déjà vu la cinématique. Donc normalement je vais quand même vérifier qu'ils sont toujours d'actualité. J'ai l'impression que je voulais faire encore un poil fort. Ça je verrai en jeu. Ça c'est bon, ça j'en sais rien. Et ici, on verra en jeu ce que ça donne avec la capture. Ok. Eh bien, allons-y, c'est parti pour The Witcher 1. Je précise que c'est la version Enhanced de Steam. Sortie apparemment le 19 septembre 2008. Ah, pardon. Non, le jeu de base, s'il vous plaît. Ah, bon, ben, comme d'habitude dans mes playthroughs, je prends le degré moyen pour éviter de me failer toutes les 5 minutes. La Skyrim, oui. Peut être modifié à tout moment. Bon, bah, on va toujours partir en clavier souris. Là, on a des beaux artworks en attendant. C'est déjà ça. Déjà un point positif du jeu. Et apparemment, du temps de chargement, on s'en mange. Ah. Après la Grande Guerre, c'est du 2008, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La Grande Peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiées dans la forêt, survivent encore. Et se préparent à la bataille finale. Bon, ça n'a pas l'air de trop ramer, donc niveau graphique, ça doit être bon. Trois images ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Oui, je sais, je me tais déjà plus. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Ça a quand même ramé un peu. Geralt! Geralt!
Eh ben, il a changé son équipement depuis la vidéo, hein. Tout ça pour te traîner sur une bête chariole. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenant. Chacal! Et par contre, tes roues, elles sont vraiment pourries, hein, je veux pas dire, mais... Bon, ça a l'air d'aller. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kaer Morhen. C'était peut-être on verra plus tard, parce qu'on se verra plus tard, on est en train de se voir, espèce d'idiot. Dès que j'ai un trop grand profondeur de champ, ça rame quand même à mort. Hein. Peut-être que je règle un petit peu ça. Était-ce voulu, je sais pas. Non, je pense pas, parce que sinon la musique correspondrait. Bonjour. Ah, il a l'air frais, lui. Enfin. Léo, Cité cherche Triss. Profitez-en tant que vous le pouvez. À mon avis, c'est pas un gentil, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Faux! Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis Cacahuète. On enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours! Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Mmh. Grâce à toi. Et c'est la gonzesse. Merci, Triss. La mémoire te revient? Apparemment, ça aurait pas dû. Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, cacahuète. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. C'est le genre de choses à dire aux femmes, tiens. Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ha ! C'est mieux ! Pas mal ! Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Geralt ? Il est prêt pour le voyage? Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 orins pour chaque lutin. Les vôtres que cadavre, j'espère. Les émirs! On a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Oui, bien sûr. Une épée toute pourrie. Ah.
sur un ennemi pour l'attaquer. Viens ici. Ah, ok. Tenir le bouton. Trois. Ah. Mais t'as failli tenir ton épée comme ça, c'est ridicule. Mais attaque-le. Ah, quand même. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Bon, je kick comme un malade, on verra si ça fait quelque chose. C'est quoi cette façon de tenir une épée? Comment vous sentez-vous? Ridicule. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kaer Morhen. Nous le savons, Merigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Ah, c'était quoi ça? Ouais, c'est ça, je pousse tout le monde. Dégagez, je passe. Eh, hey, vous l'embinez derrière, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Non, c'est pas un bélier, c'est une araignée. Merde! Qu'est-ce que c'est? Ou une bande religieuse. Une sale bête. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici! Tenez-vous prêts! Il en arrive encore d'autres dans la haute cour! L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Elle connaît tout le monde. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Oui, on l'a déjà vu, le mage, je te ferai remarquer, espèce d'idiote.